Et ça, pour moi, c'est pas possible de mettre un produit comme ça sur le marché. Enfin, j'avais pas trop envie de me retrouver aux urgences, donc ça, c'est clairement un achat complètement inutile parce que ça brûle les yeux, c'est pas possible. Il faut vraiment fermer très très fort les yeux. La leur, franchement, c'est. Je ne comprends pas. Clairement, ça ne lave pas du tout. Vraiment, pas du tout. Complètement inutilisable. Le truc, c'est dur comme de la pierre. Hello, dans cette vidéo, je vais vous parler des choses que j'ai achetées pour être zéro déchet et qui ont été un gros fail, soit parce que c'est vraiment inutilisable ou je ne comprends pas comment les utiliser. Donc on va direct rentrer dans la vidéo, mais avant ça, n'hésite pas à aller voir mon Instagram, à t'abonner et à liker cette vidéo. Alors le premier gros fail pour moi, c'est la crème solide de la marque Comme Avant. Donc pour ceux qui ne sont pas trop habitués aux cosmétiques solides à part les shampoings, il y a vraiment beaucoup d'autres choses en cosmétiques solides et notamment les crèmes solides. Donc la crème solide, je trouve que le concept, il est super parce que ça évite d'acheter des crèmes qui sont dans nos emballages en plastique, etc. Donc en fait c'est juste sous forme d'un galet où on l'applique sur la peau et voilà, ça nourrit en fait parce que c'est que du gras, c'est que de l'huile, du beurre et des cires. Et ça nourrit, sauf que la leur, franchement, c'est je ne comprends pas si vous l'avez. Dites-moi si vous arrivez à l'utiliser parce que pour moi c'est complètement inutilisable. Le truc c'est dur comme de la pierre. Là je l'ai plus, enfin je vais vous l'expliquer pourquoi je ne l'ai plus. Mais c'est impossible, enfin on le passe sur la peau, ça s'effrite à moitié, enfin il y a des petits bouts qui partent. J'arrive pas à l'utiliser, moi j'ai la peau très fine et très sèche. Donc en fait ça méritait plus qu'autre chose parce que j'essayais de déposer du produit sur ma peau, il y avait absolument rien qui se déposait. Donc normalement on est censé la chauffer. Ils disent qu'il faut la chauffer dans les mains pour voilà, avoir un petit peu de produit qui sortent, qui fondent. Sauf que non, je ne sais pas, moi ça ne marche pas et je ne comprends pas. Et pourtant, enfin, mon métier de base c'est formulatrice cosmétique. Donc du coup c'est vraiment tout ce qui se passe dans la recherche et développement cosmétique. Et ça pour moi c'est pas possible de mettre un produit comme ça sur le marché, enfin, c'est pas possible. Et pour l'utiliser, parce que enfin, ça me gênait quand même de devoir jeter ça, ce que j'ai fait c'est que je l'ai fait fondre et que j'ai rajouté de l'huile pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus utilisable. Et pour vous dire, j'ai rajouté le double d'huile. Donc par exemple, je ne sais plus combien elle est en grammes, mais par exemple j'avais, je sais pas, 40 grammes de baume solide, et j'ai rajouté 40 grammes d'huile pour avoir un truc qui, voilà, qui soit possible d'appliquer. Et en plus de ça, avec ça, enfin, c'est bourré de poudre, et du coup, quand je l'ai fait fondre et que je l'ai transformé en quelque chose d'un peu plus agréable à utiliser, j'avais l'impression de m'appliquer de la poudre, enfin c'était vraiment pas agréable, on sentait les grains sur la peau. Pour si vraiment vous voulez commencer à faire de la cosmétique solide, ça peut limite vous stopper direct en vous disant j'arrive pas à l'utiliser, je comprends pas, c'est pas pour moi, tant pis, je retourne à ma crème normale qui est emballée dans du plastique. Bah non, enfin, tentez dans une autre marque, je vous conseille juste pas. Après vous pouvez l'acheter, vous faire votre propre avis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'adoptent. Moi je ne comprends pas, j'ai beaucoup de connaissances aussi qui comprennent pas comment l'utiliser et comment c'est possible d'avoir un produit comme ça. Voilà, dites-moi votre avis. Alors le deuxième fail pour moi c'est les petits outils pour remplacer les cotons-tiges. Donc j'avais acheté un auriculi, donc c'est un petit bâton en bois comme ça qui a une forme un peu courbée. Et en fait il faut gratter le cérumen des oreilles et le laver à chaque fois, et une fois qu'il est mort on le met au compost. Franchement j'arrive pas, je trouve que c'est limite irritant sur, sur l'intérieur de l'oreille. Le côté absorbant du coton aussi me gêne, enfin me manque. Je sais qu'il en existe aussi en inox. Dites-moi si vous avez ça parce que je n'ai pas encore testé. Ça m'embête en fait d'acheter un truc qui je me dis ça va rester dans mon placard, parce que clairement ce machin là je l'ai acheté il y a 2 ans et c'est encore dans mon placard et je l'ai jamais, enfin je l'ai utilisé au tout début et j'arrive pas. Une fois je me promenais à Débaidé, donc un magasin vrac pour ceux qui ne me connaissent pas, et il y avait cette petite chose qui est un last swab. Voilà, c'est quelque chose comme ça. C'est un coton-tige avec des petits picots. Il en existe un deuxième qui est lisse pour notamment le maquillage, l'eyeliner, le mascara, etc. Et je me suis dit, ouais, mais le concept c'est génial. En plus, avec les petits picots, ça doit quand même un petit peu gratter, etc. Du coup, super pour remplacer les cotons-tiges. Et je suis sur plusieurs groupes de zéro déchet sur Facebook. Et par curiosité, je suis allée voir les avis concernant ce machin-là. Je crois que c'est pas non plus donné. Je sais plus combien ça coûte, mais c'est pas. Voilà, c'est un truc. Je crois que c'est 15 €, peut-être proche de 20 €, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées aux urgences à cause de ce machin-là. Parce que les petits picots, au bout d'un moment, ils se détachent et ça se coince dans le conduit. Et impossible à enlever, et les gens se sont retrouvés aux urgences. Et les urgences disent qu'il y en a de plus en plus, enfin, ça arrive beaucoup, qu'il y ait des personnes qui se retrouvent avec un petit picot coincé dans les oreilles. Et franchement, si vous allez faire une petite recherche sur internet ou sur les groupes Facebook, vous allez voir que pratiquement toutes les personnes qui ont ça ont eu ce problème. Donc j'ai dû l'utiliser 2 fois, parce que j'avais pas trop envie de me retrouver aux urgences, donc ça c'est clairement un achat complètement inutile. Le troisième gros fail pour moi, ce sont les biswap, je sais pas si je le prononce bien. Donc c'est des petits tissus imbibés de cire d'abeille qu'on utilise sur des emballages alimentaires. Donc par exemple, vous avez coupé un pamplemousse en deux, vous l'entourez de ce biswap
pour qu'il reste frais plus longtemps et pour éviter de mettre du cellophane, voilà. Donc c'est des tissus comme ça. Alors c'est un gros fail pour moi, pour plusieurs raisons. C'est que la première, je l'ai utilisé une fois, donc c'est censé être un peu rigide. Je l'ai utilisé une fois et clairement c'est pas du tout rigide, il y a la moitié de la cire d'abeille qui est partie, ça tient pas en place. Et en fait si on veut que ce machin là se tienne et reste longtemps, il faut laver à froid parce que la cire d'abeille elle fond à 60 degrés, donc à froid ou à l'eau tiède. Et je suis pas fan de laver à froid parce que je trouve que pour les microbes, bah clairement c'est pas top. Surtout qu'en général on met des trucs frais, on met des trucs qui peuvent moisir. Et voilà, laver à froid c'était pas possible. Donc clairement ça c'est gros fail pour moi. J'en avais acheté plusieurs et c'est pas donné hein. Enfin franchement je crois que ce machin là ça coûte 10€, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un budget pour un truc qui a une durée de vie vraiment pas ouf. Et si on veut que ça... Enfin voilà, que ça dure plus longtemps, il faut remettre de la cire d'abeille dessus, donc c'est un petit processus, c'est pas non plus trop compliqué. Mais voilà, on achète ça, c'est pas pour après devoir faire nous-mêmes la cire d'abeille, etc. Donc gros fail, mais j'ai réussi à trouver quelque chose qui est beaucoup beaucoup mieux. Donc c'est des charlottes en tissu, donc moi je les ai achetées sur la boutique du zéro déchet à Kunataka, il me semble. C'est un lot de charlottes, c'est pas non plus donné, je crois que c'est 40€ le lot, mais il y en a beaucoup. Enfin il y en a différentes tailles, là j'en ai que 3, mais il y en a 2 ou 3 autres, ils sont dans le carton, j'arrive pas à les retrouver. Et donc il y en a en différentes tailles, donc moi j'avais choisi en lin, il me semble qu'il y a en coton, et franchement c'est carrément mieux parce que bah, tu mets ton aliment dans un bol et tu recouvres de ça, quand tu fais, je sais pas, style ta pâte à crêpes et que tu veux qu'elle repose, tu mets ça au-dessus, t'as pas besoin de mettre de cellophane, de torchon, tu mets au frigo, enfin... Je vous recommande, c'est un petit peu plus cher à l'investissement au début, mais bah ça fait 2 ans que je les ai, ça a pas bougé, on les passe au lavage à chaque fois que c'est utilisé, et c'est quand même beaucoup mieux que ce machin-là, et en plus il y a 4 ou 5 ou 6 tailles différentes. Alors le quatrième fail, c'est des noix de lavage pour remplacer la lessive industrielle du marché, donc les bidons en plastique, comme ceci. C'est des petites coques qui en fait, en chauffant, ça va libérer de la saponine, qui est une molécule qui a un pouvoir lavant. Donc on met normalement son linge dans la machine avec, je crois que c'est 20 grammes de noix direct dans le tambour, et bah le linge est censé être lavé. Alors clairement ça ne lave pas du tout, vraiment pas du tout, ça ne lave pas les taches, enfin c'est pas possible, le linge blanc bah il est toujours aussi sale qu'avant la machine. Donc enfin clairement pour moi c'est un gros fail, c'est un achat inutile en plus. Puis j'avais acheté sur Aromazone, c'est 1 kg. Je m'en trouve avec ça et encore j'ai pas mal utilisé. Donc du coup c'est 1 kg, c'est pas non plus super cher, mais bon bah voilà, enfin j'ai ça, j'ai pas envie de les jeter. Donc j'ai essayé de trouver des alternatives que je vais vous expliquer juste après. Mais sinon pour la lessive, du coup moi maintenant, ça fait 2 ans que je fais ça, je fais ma lessive au Savon de Marseille. Donc ma mère habite à Salon de Provence, qui le lieu où il y a la savonnerie Marius Fab, qui est les célèbres savons de Marseille, vrais savons de Marseille. Et du coup j'achète directement mes savons de Marseille quand je vais voir ma mère ou même sur leur site internet et je fais ma lessive. Je vous avais fait un petit tuto qui est dans mes stories à la une sur Insta, donc je vous conseille juste d'aller voir, c'est pas du tout compliqué. Ça fait 2 ans que j'utilise ça, ça lave très très bien, le blanc, enfin vraiment c'est parfait. Donc sinon j'ai trouvé une deuxième utilisation au-delà de lavage, qui est un shampoing naturel. Donc j'avais trouvé ça sur un blog, je ne sais plus de qui, mais en fait il consiste juste à faire chauffer à la casserole 20 g de noix dans 1 litre d'eau, à faire frémir un petit peu pour infuser et libérer les saponines, et après une fois que c'est un peu refroidi, on se verse tout simplement le mélange sur les cheveux sans forcément frotter ou émulsionner, ça nettoie, ça marche vraiment très très bien. Par contre il faut faire attention parce que ça brûle les yeux, c'est pas possible, il faut vraiment fermer très très fort les yeux. Je me suis retrouvée avec des yeux rouges énormes où ça m'irritait, enfin c'était pas possible. Et par contre l'inconvénient c'est quand même que bah, il faut préparer ça à l'avance, moi je me lave le matin et bah franchement c'est un peu chiant parce que je me lève et je me lave direct, je vais pas faire mon shampoing, attendre une demi-heure que c'est refroidi et me laver après. Et le dernier fail pour moi ce sont tout ce qui est brosse pour remplacer les rouleaux à poils en plastique pour enlever bah, les poils sur les vêtements, parce que bah, j'ai 2 chats, et notamment un européen qui perd énormément ses poils, et en plus il est roux, donc l'estomac on voit surtout. Et j'ai testé, j'ai notamment testé celle-ci qui m'avait été recommandée comme étant la meilleure brosse, etc. Et j'arrive pas, enfin ça enlève rien en fait, c'est pas possible, ça enlève peut-être certains poils, certains types de poils, mais moi pour mon européen ça enlève pas du tout. J'en ai acheté 2 autres aussi, qui sont bah, du coup en plastique, hein, qu'on est censé mouiller. Donc on doit mouiller la brosse, on doit la passer sur les vêtements et ça enlève, bah, franchement on passe notre temps à remouiller la brosse, c'est pas possible. Donc bah du coup on n'arrive pas à trouver d'alternative au rouleau en plastique adhésif traditionnel. Donc si vous avez une solution, parce que on a quand même une grosse consommation de ce type de rouleau et moi ça m'embête à chaque fois de jeter ça quoi. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée, dites-moi si vous avez des fails zéro déchet, des choses que vous avez testées et c'est pas possible et bah vous êtes reparti sur quelque chose qui est non zéro déchet du coup. Dites-moi ça en commentaire et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.